Bon, maintenant, voyons voir un match contre un joueur de Peach. Ouais. C'est pas temps de se moquer. Ça veut rien dire. Je peux bien jouer Bowser, mais ça veut pas dire que je vais perdre automatique, hein? Oh yes, au bon temps. Arrête de planer au-dessus de moi, viens attaquer à la place d'être Momoon. Ils font toujours ça, les joueurs de Peach. Moi, ça m'énerve. Ils font toujours ça, voler au-dessus du vide. Pendant que t'es fini d'attaquer, puis ils s'en vont te faire une attaque côté. Bon. Vers l'avant. C'est ça qu'ils font. Les joueurs. Regardez encore une fois. Là, c'est raté, carrément. Vous voyez, je fais rien à moitié, moi. Vas-y, va au-dessus du vide si tu veux. Arrête d'être Momoon. Frappe, 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 frappe et frappe. Ou sinon, c'est moi qui vais te frapper le premier. Attends pas après moi, là. Là, tu me tannais un peu trop. Bon, ça, c'est bien, ça, là, que tu fasses ça. Quand on fait des moqueries en début de partie, ça veut jamais dire que la partie est gagnée d'avance. Jamais, 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 jamais penser ça. Ça, c'est être trop confiant. En début de match, faites pas de moqueries quand vous commencez contre moi. Je vous frappe direct, c'est sûr, là. Je vous laisserai pas de chance, là. Je suis pas un tata. Pas un tatin, moi, là. C'est assez dur de se battre contre Peach. Parce que les gens ont toujours tendance à jouer dans les airs. Puis à chaque éjection, c'est toujours la même histoire. À chaque fois que tu t'éjectes un Peach, c'est toujours la même histoire. Tout le temps. Mais pour tout ce côté aussi, tout le temps la même histoire. Ça changera jamais. Pardon. Ben voilà. Ça veut pas dire que si vous jouez Bowser que vous gagnerez pas contre un Peach, ça c'est faux. Ben voilà, la preuve est faite.